This is the International World Social Forum International Committee session. I missed the opening round from 10 a.m. till about 1. And they're back from their lunch break. So this is, we're at SAT at St. Laurent and Rue St. Catherine in Montreal. This is the final day, Sunday, August 14th, 2016 for the Deep Archive, and I'm D. Shanger, ER. Porto Alegre, maybe I have a proposition in you put up a sign for no photos? I'm live streaming. I'm media. Oh, well. Yeah. Oops, sorry. Et après, il va faire une composition de la transition.
traducción. English. Spanish. Sorry, the interpreters are in your cabin. I don't know where they're at. Les traducteurs ne sont pas là. Ça revient juste l'espagnol, c'est français, c'est un moment. On a pour le moment juste français. Du français vers l'espagnol. Oui. Allô. Du français vers l'espagnol. Français vers l'espagnol, Tia. La traduction sera what we want to do. Two minutes. Two minutes. Two minutes. Out of the very principles that the government of Goa for the rest of the visa, we start the discussion on the second part of the concrete propositions, the proposals that the Minister of Visa is on. Is that okay? So I need to throw to Deborah, or Capita first. Voy a repetir, sí, yo solo voy a decir que hacemos... Vamos, d'accord. Donc, vous avez les t-shirts qui sont maintenant à 10 dollars. Ils étaient un peu chers parce qu'ils ont été créés par un organisme d'économie solidaire, par des femmes, des petites, un organisme d'exercice sociale. Et ça nous a donné un projet. Je vais répéter. I'm going to repeat in English. No, I understand, but the English is not working. No, this is English for now. French to Spanish. Donc, simplement, ça nous a coûté 12 dollars. Mais voilà, on a soumis le. In English, just saying that the t-shirts are going to be $10. They're made by a social economy enterprise organism. And it was worth $12, but we're using that. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Débora Nunes, je viens du Brésil. Et je vais parler de notre dialogue de l'humanité qui est né en France. Et qui a une façon de produire sa gouvernance interne qui peut être inspirante pour ces conseils. Il faut savoir qu'on parle en toute modestie, nous sommes serveurs très redevables de la dynamique du forum. Nous sommes là tous les forums qui appellent les membres du réseau d'Europe. Peut-être que vous entendez quatre principes de notre organisation qui est aussi internationale, sur plusieurs membres, sur 13 pays. Ça peut être utile. C'est-à-dire que nous avons un leadership de service basé sur un conseil des sages qui ont un siège à notre gouvernance, qui sont les fondateurs. La présence en priorité de tous ceux qui organisent les événements et qui le vivent dans leur chair. La présence de ceux qui travaillent dans la police, la traduction, l'hébergement solidaire, des gens qui ouvrent pour le dialogue et qui n'ont pas normalement de place, toutes les femmes font ça. Et nous travaillons aussi avec la présence des amis qui sont comme des conseillers, des gens qui ont un regard extérieur sur notre dynamique. Le deuxième principe, après la gouvernance basée sur le leadership de service, c'est la politique de l'amitié. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une démarche pour approfondir la confiance entre les gens. Parce que dans une gouvernance horizontale, où il n'y a pas de hiérarchie, il faut qu'il y ait de plus en plus de confiance pour arriver à des consensus. Et donc, tous ces processus de conflit qu'on voit ici, des points de vue, n'aident pas. La façon de faire change tout. Donc, on a un groupe intérieur à notre réseau qui travaille, qui médite le conflit. Et ça, c'est très important. On travaille pour que la confiance s'agrandisse. Donc,
décision qui a été faite de prendre des positions politiques au nom des entités et en mentionnant que le grand parti du Conseil est un consensus, mais vous voulez toujours rester. Juste une minute, je vous prie. Le capitalisme est en train de rentrer en collapse. Mais avant de rentrer en collapse, il va détruire la démocratie. Il y a une seule chose qu'on peut faire confiance. À ce genre de réseau. Vous n'avez pas le droit. Tu ne peux pas rentrer dans un consensus parce que ça va faire perdre tout cet effort. Et vous, le chef, les autres sont morts de ces élus. On a confiance en vous. Vous ne pouvez pas. Personnellement, je suis d'avis que c'est tout à fait possible. Mais il faut
faut que tous, toutes, nous ayons la volonté politique d'y arriver. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On va maintenant commencer le débat sur la deuxième partie, c'est-à-dire la proposition que Gilles a fait ce matin. J'ai une première liste d'orateurs. Ah, pardon, d'abord Bohan avec la proposition sur les visas. On va faire ça d'abord. C'est apparemment un programme politique sur lequel on peut décider. Avec. And I wrote a proposal that I will hear. Boa, we cannot hear you. I see.
IC meeting why we did the IC. It's very clear that the IC are not the organizations of the IC. Because we don't want to expose the organizations. Because it's very clear that's why the IC the IC meeting at the end of because, remember, is not the man for the law, but is law for the man. And I know you know very well this sentence. Bueno, yo creo que acabo una confusión. Me da la impresión que sí el Consejo Internacional frente a asuntos político, pero de gestión, como eran las quizás, se allanaba a tomar una decisión. Me da la impresión de que eso. Give us the English, please. Why? Why? It's still volunteers. No, no hay español. Entonces puedo hablar en inglés. Bueno, sí, lo que quiero decir, si ese punto no estaba suficientemente claro y discutido, yo siento que eso
Y pertenecemos a lo que es la decisión original. Los miembros y las miembros del Consejo firman. Y eso realmente no es. No nos hace un paso adelante. Pero no tenemos que sobre eso. Y no es lo que cada uno de nuestros consejos está. No hay traducción. Do we have to beg for translation in English? She proposed that the members of the council sign the declaration itself of the council itself. No, I thought that the visa problem was not a political problem. Okay. So, I just wanted to make clear that in according to the logic of what I presented in the morning, we should remember two different kinds of decisions, and the fact that we have said, if we have said to make as NIC a proposal like what Endura is proposing, does not mean that then we would be obliged to make decisions on every single situation in the whole world. I personally believe that as IC we have responsibility for organizational processes, and this is clearly that. And for that kind of processes, we would need a decision, or it would be legitimate for IC to make a decision, unlike to solidarity with strong parts of the world. So, I want a procedure, please. I want a procedure. Excuse me, I want a procedure. Eu penso que é importante que uma declaração como essa seja trabalhada com uma profundidade. Em inglês. Em conjuntura do apresentado, há alguma coisa que Francine has mentioned another way of putting some of the phrases. So my proposal would be not to decide now who's going to leave the room, because this is the question. I don't think we should decide who will leave the room. And I don't think that it's a question only of people. It's not a personal question. It's a political decision. I think that other members of the International Council will agree with him. At least I've seen Francisco myself. So I think that maybe what we need to is a small working group that could work in the declaration that we have the first version of Bonaventura, and coming the end of the meeting is a new version of this declaration. Cette situation est difficile, s'il vous plaît. Je pense que Bois va réagir s'il le faut pour continuer les débats, mais je préfère que je ne le fasse pas. Bois, s'il vous plaît. I think the answer is sovereign to decide the way to go on this motion. I just want to say that I won't be part of the working group because I don't have my work. And what is it? I don't mean to be in any group of that's my position, as similar as my proposal. Le CIM a décidé de devenir le Front Social Mondial en Montréal. Le CIM a donné confiance à un groupe jeune canadien d'organiser. Ce groupe de jeunes, s'il fut, se trouvait devant un obstacle, quand on sent le visage de Marat Tani, qu'on n'a pas pu venir. Le CIM siège pour évaluer la tenue de cette session du Front Social Mondial
et explique au nom de nos amis qui n'ont pas pu venir, et explique à l'évaluation du comité d'organisation, le CI qui a pris en charge l'organisation, contacte et dénonce la position politique du gouvernement canadien qui n'a pas permis le CI de tenir le programme social comme il a souhaité. Si on veut le coup de travail politique qui là, on est entré dans les intérêts de communisme des années 30. Le CI est le résultat des projets qui met en branle. C'est le participe à la charte de toutes les personnes changées à la charte. Le CI est le résultat des projets de déplacement qui met en branle. Alors, c'est pour ça que le CI peut prendre. Le CI est imputable et j'appelle Tuchot à se réveiller. Je pense que le processus de discussion doit prévoir le règlement dans le consensus. J'appelle Tuchot à se réveiller sur la base de l'argument que le travail vient de donner. Le CI est imputable et responsable de l'événement intéressant et même en rang. Et c'est à ce titre-là, la responsabilité de l'État qui vient compte de juger de l'action du gouvernement. Je pense que pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le fait que le Conseil international puisse entendre pour ceux et celles qui ne sont pas confortables avec le fait que le CI en tant que tel puisse signer une déclaration commune. Je crois que nous pouvons dire collectivement que c'est moi je suis pour que le CI signe cette déclaration en tant que tel. Parce qu'il ne s'agit pas d'une déclaration de politique générale. Il ne s'agit pas d'une déclaration sur le problème des migrations en général, ni de la politique du gouvernement canadien. Il s'agit seulement d'une atteinte à la possibilité du FSL de se tenir. Donc je pense qu'on peut dire qu'on signe ça et on s'engage collectivement à ne pas faire de ça un précédent qui permettrait de signer toute déclaration politique, puisque nous avons encore besoin d'un débat. Je ne vais pas entrer distinguer les deux, je m'adresse à Tuchot. Je pense que là, on a une situation vraiment spécifique. C'est le FSM en tant que tel. On ne s'adresse pas au Canada en termes seulement politiques, bien sûr que c'est une mesure politique. Et c'est parce que nous sommes touchés en tant que CI, en tant que Québec. Je crois que ça, il faut le distinguer. C'est une question de confiance. Pour tous ceux et celles qui voudraient que le CI puisse avoir une déclaration politique, nous disons que ceci n'est pas un précédent. C'est une situation spécifique. Merci beaucoup. Je pense que c'est une proposition très utile. Alors, donc, c'est un peu plus de agir e de
avoir une incidence politique plus grande que la fête de Mais ce conseil de bien tout ce que ça et en fait, nous vivons dans notre propre modèle d'existence. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est ici, dans une fête, de façon dont vous pensez, en train de limiter une propre forme pour pouvoir faire une violence qui est sans à deux réunions du Conseil international où la candidature de Montréal a été discutée et où nous, organisation basée à Montréal, organisation basée au Québec, avait soulevé comme problème fondamental de ce forum-ci la question des visas. Et je n'étais pas le seul, le représentant du plus grand syndicat de travailleurs de l'industrie privée au Canada était avec moi, il a soulevé la même chose. Je vous rappellerai que le Conseil international n'a pas accepté nos objections, que le Conseil international a accepté la recommandation du comité organisateur qui avait promis à l'époque de mettre sur pied une équipe d'avocats et de lancer une campagne à l'avance pour empêcher que le Canada bloque les gens. Or, un, le Conseil international n'a jamais, jamais fait le suivi pour voir si le comité organisateur local avait fait et avait rempli ses engagements. Et deuxièmement, le comité organisateur local n'a jamais fait ça. Jamais. Alors maintenant, le Conseil international est face à un dilemme moral. Il a accepté la candidature de Montréal, sachant fort bien qu'il y aurait des problèmes des visas et des membres du Conseil international venant de l'Afrique, de la Palestine, s'étaient levés et avaient dit « Nous ne sommes pas d'accord, mais nous ne voulons pas briser le consensus que ça aille au Canada, mais vous verrez, nous ne pourrons pas rentrer. » Que le Conseil ait le courage, non pas d'admettre ses erreurs, parce que cette résolution ne dit pas qu'il a fait une erreur, mais au moins de dénoncer le gouvernement canadien. Je m'excuse, quand nous arrivons à une question de répression gouvernementale canadienne face à des militants du Sud, il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. La neutralité est de la foi. La neutralité est de la lâcheté. La neutralité, c'est d'aller à l'encontre de l'esprit même du forum et de la charte qui a été adoptée en 2009. Merci. Merci. Je ne sais pas si on va arriver beaucoup plus loin avec un autre débat. J'aimerais répéter la proposition de Geneviève. Une solution de compromis. Mais qui est très importante au niveau de notre responsabilité collective de nous engager sur cette question de confiance et de ne pas faire de cette décision éventuelle un précédent. Ceci n'est pas un précédent, mais il s'agit d'une condition fondamentale pour la RSE de pouvoir s'organiser, de pouvoir travailler. Nous avons parlé beaucoup dans les réunions précédentes de la question de confiance entre nous. Et je pense effectivement que c'est essentiel. S'il n'y a pas de confiance entre nous, quoi que nous décidions, nous serons perdus. S'il y a le minimum de confiance, si nous prenons cette responsabilité collective, nous engager de ne pas faire de cette décision un précédent, est-ce qu'on peut, c'est la question que je pose, est-ce qu'on peut accepter la proposition qui a été faite par vous?
Habíamos comenzado a
hablando de la importancia del manejo. Il y a une personne qui était contre les outils, c'est important. On dit si ça continue comme ça. Il y a une question, madame. Non, il dit que non, toutes les positions, toutes les positions, c'est pas ce qui passe. Oui, on peut les prendre. Pas les mêmes. Tu n'es pas votre parole. Non, je ne suis pas, mais c'est à 80%. Et les autres sont obligés. Parce que c'est pas les grandes questions. C'est comme le processus qui s'y connaît de la soie du corps. Mais si tu n'étais pas d'accord et que tu acceptais, c'est pas un droit de veto. Vous n'avez pas de droit de veto. C'est... Alors, on va dire. 60. 70. C'est toi qui n'es. Non, c'est pas moi. C'est un droit de veto. We don't have to sign it,
everyone, so it is all by consensus, but we will say not the independent council, but the members present at the independent council. If it's a very slight difference, but I think we can then implement it out, and we report it to the independent council. We start with the second round of our discussion. No. This discussion is closed. Okay. We start with the second round of our discussion on the floor is with Aquino. It was adopted. This is Martina from Italy. I'm an Italian member of the Organization of Alternatives International. I want to make two proposals on the launching of the IC and the Secretariat in particular. The first one is that if the IC has to work by consensus, we need facilitators that are technically able to manage the consensus methodology. We don't know it, because we cannot try, of course, we are smart people, but we need facilitators to be able to manage this. So I suggest that for next time we appoint a technical facilitator. The second most important issue for me is